tous, mes amis. J'espère que vous allez bien. Ce soir, j'avais envie de vous proposer une petite vidéo assez originale, puisque j'avais envie de vous montrer tous les médicaments, traitements que je peux utiliser durant une journée ou durant certaines périodes, puisqu'à savoir que j'ai pas mal de soucis de santé durant mon enfance et même maintenant. J'avais envie, je trouve que c'était pas mal le son que pouvaient déclencher certains objets, pardon. Et voilà, je vais à peu près vous parler à propos de ça, vous dire en quoi consiste ce cachet, etc. En espérant que cette vidéo vous plaira. Alors, je vais commencer par mon traitement pour l'asthme. Donc, depuis tout petit, j'ai de l'asthme assez sévère. C'est assez handicapant, surtout quand je faisais de l'effort étant plus jeune. Même maintenant, quand je fais un peu d'effort, c'est un peu compliqué au niveau du cardio, je vais pas vous cacher. Mais j'ai des traitements pour ça, je vais vous montrer, d'accord? Alors, en premier lieu, depuis peu de temps, j'utilise un spray. Donc, comme vous le savez, quand on est asthmatique, on utilise un spray qui s'appelle de la Ventoline. Je l'ai pas sur moi, mais tout le monde connaît, c'est le classique. La Ventoline, alors, faut savoir que la Ventoline, ça a pour but de traiter donc l'asthme, mais sur une courte période. Par exemple, quand vous avez du mal à respirer, quand vous faites une crise, hop, vous prenez un coup de Ventoline et ça va directement mieux. Mais après, c'est pas un traitement de fond, d'accord, c'est juste un traitement pour soulager les épisodes, on va dire. Mais quand vous avez de l'asthme, donc vous utilisez la Ventoline. Mais pour un traitement de fond, moi je vous utilisez celui-ci. Moi j'utilise ça, ça s'appelle InnoAir. InnoAir, ça c'est un traitement de fond, d'accord? C'est comme ceci, c'est assez fort. Je prends deux bouchées. Deux bouchées, qu'est-ce que je raconte? Je n'ai pas de la nourriture. Pardon, je prends deux inspirations, on va dire. Voilà, et ça m'aide pas mal. Ça, c'est un premier traitement que j'utilise. Et un second traitement, je ne sais pas si vous connaissez, c'est celui-ci. Ça s'appelle Montelukast. Montelukast. Plutôt pour aider l'asthme et pour aider l'asthme à l'effort. Ça aide vraiment pas mal. J'en prends un le matin et ça m'aide pas mal avec ça en complément. Ça m'aide pas mal du tout. Même, ça m'aide vraiment bien et ça me permet d'avoir une plus grande endurance. Avoir moins de crises, parce que moi j'ai des crises surtout la nuit, ce qui est assez handicapant, on va pas se cacher. Voilà, pour là, ça c'était pour l'asthme. On va passer au niveau de l'eczéma. Bon, là ça va, j'ai pas d'eczéma, vous voyez, ma peau elle est plutôt bien. Mais faut savoir que des fois j'ai des périodes où je fais pas mal d'eczéma, je vais pas vous cacher. Et du coup, j'ai un traitement pour ça que des fois j'utilise malheureusement pas. Mais généralement, j'essaie de l'utiliser. Surtout que là, j'ai vu le dermatologue, donc j'ai un nouveau traitement. Entre guillemets, et ça me fait du bien. Alors, moi j'utilise déjà comme crème. Vous pouvez me dire dans les commentaires si vous avez de l'eczéma ou d'autres pathologies. Moi j'utilise comme crème, donc une crème de cortisone qui se nomme Diprozone, d'accord. C'est une crème assez forte que je mets sur le corps. J'en mets pas sur le visage parce que c'est justement trop fort et ça risque d'agresser la peau du visage, sachant que la peau du visage elle est beaucoup plus fine. La peau du corps, d'accord. Donc on fait attention, j'en mets un petit peu, d'accord, sur le corps j'en mets pas mal, et sur le visage je mets cette crème. C'est du, enfin c'est un générique du Protopic, il se nomme Dacrozem, celui-ci, Dacrozem. Ça c'est super pour le visage, d'accord, j'en mets sur le visage quand j'ai des lésions un petit peu, des fois j'ai ici des lésions, donc j'en mets et ça m'aide énormément, d'accord. Voilà, sur ça. Donc sur ces deux crèmes. Et bien sûr, quand vous avez de l'eczéma, etc., vous avez certainement la peau sèche. Du coup, je mets moi une crème super. Elle est un peu loin, je peux pas vous la montrer. Ça s'appelle Cold Cream. Vas-y, elle est là. Voilà, elle est là. C'est celle-ci. Cold Cream. Cold Cream. Elle est excellente parce qu'en fait, elle est... c'est pour sa peau sensible. Elle est sans parfum, sans huile végétale, sans colorant,
sans conservateur, et ça qu'il faut quand vous avez une peau sensible, il faut vraiment éviter tout ce qui est crème avec des conservateurs, etc. Et ça, c'est super important. C'est la même chose pour tout ce qui est shampoing, pour le corps ou pour les cheveux, éviter tout ce qui est shampoing, tout ce qui est parfum, tout ce qui est trucs bizarres, chimiques. Il faut vraiment éviter quand vous avez une peau sensible. D'accord, donc j'utilise ça.
les amis, pour cette